Alors Linda Medjaheri, qui fait partie de l'équipe de France de volley assis depuis 2019 et qui évolue en fait au Castres Massaguel. Volley assis se pratique assis comme le volley debout. La seule chose, c'est qu'on a le droit de contrer le service. Au moment du contact du ballon, il faut absolument qu'on ait les fesses au sol. Le filet est plus bas, le terrain est plus petit. C'est la discipline qui est venue directement à moi, puisque en fait, à la suite de mon accident de moto en 2014, une amputation seulement en 2018, et on m'a appelée à la suite d'un recrutement féminin. Et j'arrive en équipe de France donc en 2019. La première fois que j'ai essayé, c'était en équipe de France. Donc voilà. Et là, ça m'a plu. Et là, depuis, j'ai jamais décroché. Alors, je réalise pas encore vraiment. Alors on a la chance, c'est vrai que c'est que ça se passe à Paris. Après, moi, oui, je vais sûrement y participer puisque nous n'avons pas été encore sélectionnés. Donc je fais tout aujourd'hui pour y arriver, le Tarn m'aide aussi, hein, pour y arriver aussi. Avant un match, il faut absolument que je me mette dans ma bulle, seule moi-même, et vraiment penser à tout ce qui peut se passer sur le terrain. Enfin, j'anticipe beaucoup, et donc ouais, il me faut, voilà, pas un mot, silence. Alors moi je dirais tout simplement, mais connaître le volley assis, honnêtement, venez au travers à 17h30 le mardi et le jeudi. On est là, on accueille vraiment tout le monde, les petits, les grands, les anciens, et franchement c'est un amusement total. Franchement, venez nous suivre à Paris parce que bah, on sera là quoi. (Rire)